Ce soir, on va donc parler ressources humaines, notamment avec la NDRH. Et je vous propose tout de suite de voir mes invités. Les voilà. Alors, est-ce que Arnaud, est-ce que vous êtes toujours là et est-ce que vous avez du son? Dites-moi, parce que je suis un peu inquiet, je ne vois pas de... Ah, le son est OK. Merci beaucoup, Fanny. Allez, on va commencer cette émission. Donc, face à vous, vous avez, on va commencer quand même, on va être galant, avec Laure Léger. Bonjour, Laure. Bonjour, Bruno. Bonjour à tous. Voilà. Alors, Laure, elle ne prend pas le micro. Elle a décidé que le micro restait sur la table. Bon, mais c'est normal, hein, c'est le démarrage. Ça va, Laure? Oui. Ça va très bien, merci. Bonjour, alors, Bruno. Alors, Laure, très bien. Et bonjour à tous. Sauf que Laure, effectivement, je me demande quand même s'il n'y a pas un problème de caméra. C'est vraiment, ce soir, on a tout ce qu'il faut. À côté de Laure, Olivier qui prend le micro. Ça va, Olivier? Oui, bonsoir. Ça va très bien, merci. Bon, très bien. Et face à Olivier, Bruno de Baptiste. Comment ça va, Bruno? Ça va très bien, merci Bruno. Bonsoir à toutes et à tous. Bruno, président de la NDRH Limousin. Olivier, vous êtes membre de la NDRH Limousin. Et Laure, vous êtes secrétaire adjointe de la NDRH Limousin. Alors, je vais vous présenter aussi d'autres personnes. Il y a de l'autre côté, voilà, Sylvie et Richard. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, on met le son pour que... Voilà, c'est gentil. Bonsoir à tous. Voilà, donc Sylvie Cain qui est membre également de la NDRH et monsieur Richard Labarthe qui est référent sport à la DRAGES. C'est bien ça? Tout à fait, référent sport santé. Voilà, référent sport santé. À vos côtés, Mathieu Bouzage. Comment ça va, Mathieu? Très bien, merci, bonsoir. Vous nous appelez d'où, Mathieu? Limoges. Limoges, ah ben voilà, Limoges. Et vous êtes chef d'entreprise à Stimeca. On est d'accord? C'est bien ça. Allez, on va commencer tout de suite, si vous voulez bien, avec cette émission, avec Bruno de Baptiste. Bruno de Baptiste, président de la NDRH Limousin. Qu'est-ce que c'est que la NDRH? Alors, la NDRH, on commence assez fort par les acronymes, hein, là, acronyme NDRH, DRAGES, etc. Donc, Association Nationale des Directeurs de Ressources Humaines. Au niveau national, c'est une très vieille association qui a été créée il y a 75 ans. C'est une très grande association qui a plus de 5000 membres. Ces 5000 membres qui sont donc directeurs des ressources humaines ou responsables ressources humaines représentent 12 millions de salariés en France, donc une grande partie des effectifs salariés français. Et elle a pour vocation d'aider à la gestion des ressources humaines, donc d'accompagner les DRH, les RRH, dans leur métier, de leur apporter du savoir-faire, de leur apporter aussi des lieux de rencontre, des événements dans lesquels ils peuvent échanger. Très bien, hein, on lui avait dit, hein, faut être concis et tout, c'est impeccable. Alors, Bruno, Laure, Olivier, j'avais une petite question, effectivement. Donc la NDRH, moi je connaissais pas, hein, je connaissais pas cette structure. J'ai l'impression, alors peut-être que c'est parce qu'à Limoges on a une école, j'ai l'impression que c'est une fonction, il y a des fonctions dans les ressources humaines qui sont en pleine explosion. Est-ce que c'est moi ou j'ai l'impression que j'en vois partout? Alors c'est pas un défaut, hein. Mais alors il y a les réseaux sociaux qui font qu'il y a des communautés qui se créent. Est-ce que je me trompe ou est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'il y en a vraiment beaucoup besoin? Expliquez-moi. Alors peut-être aussi l'effet des projecteurs, c'est-à-dire que ouais. Pendant les dernières années, à l'occasion de la pandémie notamment, le projecteur a été mis beaucoup plus puissamment sur la fonction ressources humaines. Ensuite, c'est une fonction qui est souvent sur le devant de la scène lorsqu'il y a des transformations importantes. Ouais. Et ces dernières années, on a été assez servi en termes de transformation, pandémie, puis ensuite accélération, on va dire, du flux de la vie. Alors, Olivier, vous, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça? Vous êtes comme Bruno, c'est quoi votre analyse de ça? Oui, tout à fait. N'hésitez pas à monter le micro. Hein. Tout à fait, je partage tout à fait ce que dit Bruno. En effet, ces dernières années, avec toutes les transformations qu'il y a pu y avoir, la fonction RH a été pas mal mise sur le devant de la scène. D'accord. Oui, Olivier. Oui, alors peut-être ce qu'on peut rajouter, c'est que il y a des métiers traditionnels des ressources humaines qui sont nécessaires, puis il y a des métiers nouveaux
dans le domaine des RH. Ça peut être des métiers autour de la rémunération, autour, par exemple, des problématiques de mobilité dans des entreprises un peu conséquentes. Donc, on peut avoir comme ça des éléments un peu nouveaux, des métiers nouveaux dans ces domaines-là. On n'avait pas forcément prévu de parler de la pandémie, mais c'est vrai que ce que dit Sylvie, la pandémie, vous avez été en première ligne, je dirais, les responsables de ressources humaines et toutes vos équipes. J'imagine, j'ai reçu beaucoup de gens ici, on a beaucoup parlé d'agilité pendant ce temps-là. Est-ce que vous avez été particulièrement agile ou dans l'association, comment vous avez partagé ça? Et est-ce que, de façon générale, les échos, les retours que vous avez des autres membres vous disent qu'on s'est occupé de tous ces RH qui ont dû faire preuve de tellement d'agilité pendant ce temps-là? La pandémie, ça a été un peu l'heure de gloire de la fonction ressources humaines parce que c'est une fonction, comme tu le disais tout à l'heure, Bruno, qui n'a pas toujours eu les projecteurs. Et là, tout d'un coup, les projecteurs se sont allumés fortement dessus, tout simplement parce qu'il y a eu un moment où la fonction ressources humaines et le top management de l'entreprise étaient les seuls qui restaient présents dans l'entreprise. Et donc, c'est sur eux qu'on attendait, qu'on se reposait et dont on attendait donc les éléments d'organisation. Et oui, il y avait beaucoup d'agilité parce que, souvenez-vous tous, nous avions des recommandations, pour ne pas dire parfois un peu des injonctions, qui nous arrivaient sur ce qu'il fallait faire éventuellement la veille. Ou, j'exagère un peu, mais on nous disait, bon, ben maintenant, il faut porter des masques, maintenant, il faut ceci, il faut cela. Et les précisions quant à la mise en œuvre de ces nouvelles actions arrivaient au tout dernier moment. Donc, il fallait effectivement faire preuve d'agilité. Et c'est là aussi, effectivement, la raison d'être d'une association comme la NDRH, et là, je vais maintenant parler de nous dans le Limousin, c'est que les plus anciens, qui ont donc vécu des situations de tension, de crise, puissent aider ceux qui en ont moins vécu et qu'on puisse échanger entre nous. Et le RRH qui est seul dans son entreprise, qu'il puisse vérifier qu'il y en a d'autres qui ont les mêmes problématiques au même moment et qu'il puisse un petit peu évacuer les tensions en partageant son expérience ou en prenant l'expérience des autres. Très bien. Allez, on va continuer justement ça regardant d'un peu plus près ce qui se passe à la NDRH Limousin avec Laure. Mais avant ça, le fameux petit spot pour ce coup-ci, c'est pour la CCI 87. Voilà, ce coup-ci, vous l'avez en plein écran, Laure Léger, secrétaire adjointe de la NDRH. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est une image animée, contrairement au début où l'image était figée, Laure. Laure, donc vous avez prévu de nous parler un petit peu de ce qui se passe lors des séances plénières de la NDRH. Alors, il y a tout un paquet de choses. Elles servent à quoi, ces séances plénières ? Alors, ces séances plénières... N'hésitez pas à rajouter. Ces séances plénières, on en fait plusieurs au cours de l'année. Oui. Par exemple, alors ça peut varier d'une année sur l'autre. Par exemple, en 2022, on en a organisé 4. Oui. Ce sont des réunions au cours desquelles tous les adhérents à la NDRH donc sont conviés. Oui. Et on a la volonté de faire intervenir des prestataires extérieurs sur certains sujets. En fait, on rebondit sur l'actualité en faisant appel à des experts sur ces domaines. Ça m'amène une question, c'est comment on devient membre de la NDRH? C'est quoi? C'est l'association qui... c'est la société dans laquelle on travaille qui fait acte de candidature? C'est à titre perso? Je vois Bruno, tac, hop. C'est une candidature personnelle, en fait. D'accord. C'est pas l'entreprise qui candidate, d'accord, mais c'est la personne. Historiquement, c'était donc des personnes qui avaient une fonction assez précise, DRH, responsable ressources humaines. Au fil des années, on a plutôt élargi le scope en accueillant des prestataires, mais aussi en accueillant des personnes qui ont envie de s'occuper des ressources humaines. Mmh. On le verra dans l'émission avec un exemple de chef d'entreprise. Voilà. Parce que la fonction ressources humaines n'a pas le monopole des ressources humaines. C'est aussi les chefs d'entreprise, les managers. Et donc, ces personnes candidates, collégialement, c'est-à-dire le bureau de la NDRH Limousin, décide de les accueillir.
ou non, ou mais pas, en général, ou oui. Pas. Si vous êtes parti une première fois avec la caisse, c'est pas la peine de demander, hein. On le saura. Et donc, ensuite, nous les intégrons et après, nous les invitons à toutes nos activités, dont les réunions plénières. Très et bien. Nous leur offrons surtout l'accès, à travers la NDRH Limousin et national, à un très très vaste réseau de collègues et de sachants dans la fonction. Très bien. Tiens, on en profite pour saluer Fanny qui m'avait renseigné sur le son. Merci beaucoup. Arnaud et Walter. Salut Walter, ça fait toujours plaisir de te voir. Laure, vous êtes de nouveau à l'antenne, je vous le dis. Oui. Alors si vous la voyez faire un peu comme ça, c'est qu'elle a quelques allergies, hein, c'est pas grave. Pourtant, j'ai fait faire la poussière avant qu'ils arrivent dans mon. C'est très propre. Dans mon... Voilà, mais... c'est propre. Vous confirmez, Laure, que c'est propre. Bon, à part là-bas, j'ai vu une toile d'araignée, mais bon, j'ai trop rien dit. Laure, soyons un petit peu plus précis justement sur ces interventions. Alors je les ai sous les yeux, hein. Je vois que vous avez traité les réseaux sociaux. Voilà, tout à fait. C'est un très et bon le, exemple. Et le micro, vous pouvez le rapprocher encore. Pardon. Voilà, mais c'est pas grave. C'est, pas grave. C'est un très bon exemple, effectivement. Oui. Nous avons abordé, enfin un expert est intervenu pour aborder la question des réseaux sociaux professionnels et de leur impact sur le recrutement, plus alors, exactement. Je me pose la question, moi, justement. Tiens, qu'est-ce que vous en avez retiré? Est-ce que aujourd'hui, imaginons qu'il y ait certains employeurs qui nous regardent, des petites et moyennes entreprises, par exemple, qui n'ont pas de grands DRH comme on peut en connaître, est-ce qu'aujourd'hui les réseaux sociaux peuvent être un véritable outil de recrutement? Et est-ce que pour les candidats, qui, moi des fois j'en vois passer, ils lancent un peu des candidatures comme des bouteilles à la mer sur les réseaux sociaux, est-ce que ça marche comme ça? Alors, les réseaux sociaux, effectivement, sont incontournables à l'heure actuelle, mais encore faut-il savoir s'en servir, puisque justement ce que nous avons voulu mettre en avant lors de notre réunion plénière, c'est que chaque réseau social a ses codes, et donc on n'utilise pas LinkedIn de la même façon que l'on utilise TikTok, par exemple. Voilà. Et donc voilà, les réseaux sociaux sont incontournables, mais ce ne sont pas les seuls Et c'est un outil parmi d'autres, dans une caisse à outils. Exactement. Quelque chose que je trouve extrêmement intéressant, mais c'est moi, hein, mais ça, j'ai le droit de choisir puisque c'est moi qui l'ai sous les yeux, c'est la rencontre école-entreprise. Voilà, je trouve ça intéressant. C'est particulièrement intéressant parce que là, on part de ces jeunes qui sont à l'école, qui n'ont pas forcément de vision propre en tout cas de ce que représente le secteur professionnel. Racontez-moi un peu comment ça s'est passé cette intervention. Alors cette intervention là, j'ai laissé Bruno parler puisque d'accord, il a plus de oui. Alors nous avons accueilli Laurent Doucet qui travaille au rectorat sur le sujet justement des relations entreprises et d'un ingénieur pour l'école, tout le monde ne connaît peut-être pas. Et donc les ingénieurs pour l'école, il y en a deux au rectorat de Limoges qui sont détachés par leur entreprise, en l'occurrence là ils sont détachés par Le Grand. Oui. Et ils ont en charge aussi avec Laurent Doucet de conduire des missions pour rapprocher les entreprises de l'éducation nationale. Et donc, nous les avons accueillis pour qu'ils nous fassent connaître leur mission. Et il y avait, je dirais, une très belle fenêtre de tir pour ça, parce que on voit bien que ces dernières années, il y a un rapprochement effectif de l'école et de l'entreprise. On voit bien, par exemple, que l'alternance se développe très, très vite et que les deux parties sont beaucoup plus attentives à travailler ensemble. Très bien, je vois que vous avez également reçu la Banque de France, hein, Monsieur Seigne Vialex, qui était là hein, dans cette émission. Il n'y a pas, enfin pas présent, mais qui a fait une intervention avec la CCI. Et puis quelque chose aussi d'extrêmement important, la cybersécurité. Ça doit être quelque chose quand même qui doit tracasser un petit peu les DRH de la NDRH, non? Tout à fait, c'est une thématique qui a intéressé l'ensemble des participants, puisque voilà, toutes les entreprises sont concernées par des cyberattaques. Et nous avions fait appel à la police nationale, qui nous a expliqué comment prévenir les cyberattaques et également quel comportement adopter en interne, de façon à ce que les collaborateurs soient des alliés dans cette lutte contre les cyberattaques. Donc effectivement, ça a été une intervention extrêmement intéressante.
Tiens, on va passer le micro à Olivier, que je n'ai pas encore questionné sur ces choses-là. D'ailleurs, il n'y a peut-être pas de réponse. La question n'était pas prévue, je vous le dis tout de suite. C'est pas grave. Forcément, aujourd'hui, on parle de ressources humaines. On est dans une période où on parle de retraite. Alors, sans dire que vous avez toutes les solutions, mais aujourd'hui, ça ne doit pas être forcément simple, j'imagine, dans l'univers des DRH, parce qu'il y a un gros tracas, mais finalement, on n'a pas beaucoup de réponses, puisque les choses ne sont pas ni votées, ni... Comment ça se passe? Disent vos collègues de la NDRH avec qui vous discutez? Quelle est leur posture, en fait? Alors, c'est clair qu'aujourd'hui, dans les entreprises au sens large, et quand on partage entre nous, on est assez unanime, c'est un vrai sujet de préoccupation, avec beaucoup d'interrogations. Par contre, il y a un élément, pour rebondir sur ce que disait Bruno tout à l'heure, sur le lien avec école, entreprise, les jeunes, etc. Je pense que ça, c'est une clé importante, c'est-à-dire prévoir la suite. Parce que même si on a encore beaucoup d'interrogations sur les échéances des départs en retraite, à un moment donné, ça sera une réalité. Donc préparer ça le mieux possible. Bruno parlait tout à l'heure d'alternance. C'est vraiment un axe important, je pense, dans les entreprises. Et la NDRH, depuis très longtemps, promeut cet axe-là, celui de l'alternance, de l'apprentissage au sens large. Ça reste encore vraiment d'actualité. L'alternance, même si l'alternance a beaucoup évolué, on n'est plus du tout sur des formations en dessous du bac. Il y a beaucoup d'alternance post-bac, hein, on n'est plus sur les mêmes métiers, mais ça reste une valeur sûre. Plus que jamais. Ouais. Plus que jamais, il y a un développement de l'intérêt des entreprises et aussi de l'éducation nationale pour s'organiser en conséquence. Très bien. Très bien. Allez, je vais vous présenter maintenant, vous allez voir, on va passer sur quelque chose d'assez particulier. On va parler du co-développement, les groupes de co-développement inter-entreprise. Donc on va vous laisser hier soir quelques minutes, parce que hier soir j'ai eu le plaisir d'enregistrer la séquence avec Ophélie Ratzimbazafi, qui intervient, qui est une professionnelle. On va vous laisser avec elle pendant quelques minutes. Et puis, on revient tout de suite avec Olivier pour discuter de cette initiative quasiment nationale. Hein. C'est quelque chose qui n'existe pas ailleurs, en tout cas pas sous cette forme-là, si j'ai bien compris. C'est parti. Salut Ophélie. Salut Bruno. Ophélie, c'est très gentil de te joindre à nous. Enfin, très gentil, non, parce qu'en fait, tu viens apporter ton expertise. Tu es créatrice et gérante de l'espace Kairos. Raconte-moi un peu, c'est quoi? Rappelle un peu aux gens ce qu'est l'espace Kairos. Merci Bruno. L'espace Kairos agit entre autres pour les entreprises, pour les organisations du travail et leurs dirigeants, et s'engage avec eux, notamment dans des partenariats pour co-construire une relation de confiance, bien sûr, et des actions en faveur, je le répète, de la santé, du bien-être au travail et du développement des compétences. Alors, ça tombe bien parce que, en fait, si tu es là aujourd'hui, c'est sur les conseils avisés de mes invités, hein, le président notamment de la NDRH Limousin et puis ses acolytes, je dirais, puisque avec eux, tu participes à une action qui est un peu une première en France, en tout cas sous cette forme-là. Ce sont des ateliers de co-développement. Est-ce que tu peux m'expliquer en quoi ça consiste, qui ça peut concerner et puis c'est pour quoi faire, en fait? Oui, effectivement, la NDRH a sollicité Kairos pour mettre en œuvre des groupes de co-développement en faveur des dirigeants d'entreprises, des directeurs des ressources humaines et des managers du réseau de la NDRH. Et ces groupes-là, je vais répondre à ta question, mais je passe par là pour dire que ces groupes sont animés par des professionnels Kairos qui sont qualifiés, qui sont spécialisés en la matière, et ici notamment Christelle Aubignac. Le co-développement, pour faire simple, place-le dans le champ de la formation professionnelle continue, déjà. C'est une méthode du champ de la formation professionnelle qui mise sur la constitution de groupes de pairs, hein, qui partagent des mêmes missions, des mêmes postes ou des mêmes problématiques de terrain et qui vont partager leur expérience et apprendre au travers des expériences des autres. Il y a réellement un cadre à respecter dans le sens où ce ne sont pas des groupes avec des participants ponctuels à la volée. C'est un engagement et il y a autant de sessions qu'il n'y a de participants. Donc, classiquement, on va être sur maximum 12 participants avec une séance par mois. Ça, c'est vraiment le format classique, mais on peut être sur, entre 6 et 12 participants. Voilà. Et on va se baser sur des expériences de terrain
que les participants vont amener et le groupe va se mettre au travail, encadré, enfin, guidé par l'animateur, en suivant un process de 6 étapes pour travailler les situations de terrain et activer l'intelligence collective. Si je comprends bien, c'est qu'on peut s'appuyer là-dessus quand on est dirigeant. Enfin, là, il y a effectivement ce soir, la thématique, c'est les ressources humaines, mais il va y avoir un autre témoin qui est chef d'entreprise, qui participe à cet atelier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement, si j'ai bien compris, au travers de ce travail collectif, on fait un pas de côté, on s'appuie un peu sur le regard que les autres peuvent avoir par rapport aux situations qu'on vit, et ça nous aide un peu à nous recentrer, à être plus efficace, c'est ça? Oui, c'est tout à fait ça. Le pas de côté qui nécessite une relation de confiance à l'intérieur du groupe, mais ça, comme tout groupe, hein, à la base, je veux dire un groupe superficiel parce qu'ils ne travaillent pas ensemble, ça nécessite de créer un climat de confiance. Et c'est aussi ce cadre du co-développement, cette méthode du co-développement qui va favoriser la relation de confiance et permettre ainsi aux participants de se sentir à l'aise pour présenter des situations de terrain. Et si on travaille des situations, c'est qu'elles nous mettent en difficulté. Donc, c'est pas toujours évident de parler de nos difficultés en tant que dirigeant, en tant que DRH ou top manager. Donc, c'est effectivement ça, ce pas de côté dans un cadre de confiance. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est de miser sur la diversité des situations. Parce que justement, les personnes sont issues, et le chef d'entreprise qui va témoigner, elles sont issues de secteurs, voire de tailles d'entreprises qui sont totalement différentes. Et pourtant, elles partagent les mêmes problématiques. Très bien. Super. Ben, merci beaucoup encore, Ophélie. Puis je te dis à très, très bientôt. Merci. Merci, Bruno. À bientôt. Voilà. Hein, donc, j'espère que tout le monde a bien entendu l'intervention d'Ophélie Ratzimbazafi. Olivier, donc, vous êtes à l'antenne avec Mathieu. Olivier, précisez-moi un peu ces groupes de co-développement inter-entreprise. Alors déjà, je disais, au niveau national, ça existe déjà, mais au niveau national, sous cette forme-là, c'est quasiment une première ici. Alors, je pense qu'Ophélie a très bien introduit le sujet. C'est des démarches qui existent bien dans les entreprises et notamment sur le registre de la formation. Moi-même, j'avais eu l'occasion de pratiquer ça au travers d'une formation en management, donc oui. C'est très très adapté. Après, c'est une nouveauté par rapport au schéma, au format qu'on a retenu au niveau de la NDRH, c'est-à-dire mettre autour de la table, et dans le cas présent, on est 6, venant d'horizons différents, ce que disait Ophélie, oui. Donc il y a des gens du monde du privé, du public, chefs d'entreprise, des gens qui sont vraiment uniquement en responsabilité RH. On avait même un consultant avec nous, donc quelqu'un qui est en même temps chef d'entreprise avec une longue expérience du monde des RH. Donc vraiment un groupe qui au départ, on ne se connaissait pas bien, pour être très très honnête. Et on en est à la 5e séance. Donc il nous reste une séance. Donc, avec... Parce qu'il y a autant de séances que de personnes. Exactement. C'est ça, de participants, exactement. Ouais. Et en fait, de manière très concrète, dans une séance, l'un d'entre nous se présente comme étant quelqu'un qui a une problématique, qui pose une problématique au reste du groupe. Et comme le disait Ophélie, en fait, c'est très phasé, c'est très timé. Et c'est tout le travail que fait l'animatrice qui est formée à la méthode. Et donc, elle respecte des temps qui sont, premièrement, des temps d'explication de la part de celui qui expose son problème. Ouais. Les autres sont uniquement en phase d'écoute. Et donc ça permet, entre autres, elle disait tout à l'heure, l'apprentissage, c'est vrai que ça nous apprend aussi à être à des moments dans des phases d'écoute. Un deuxième temps où c'est justement la personne qui a posé son problème, qui est plutôt dans la phase de réception, qui va avoir des questions de la part des consultants de la session, qui vont lui poser un certain nombre de questions pour bien comprendre le contexte. Et comme l'a dit Ophélie, en effet, il faut qu'il y ait une confiance mutuelle, parce qu'on va quand même assez loin. Bien sûr. On se dévoile. Bien sûr. On dévoile à des moments des choses liées à l'entreprise, à l'organisation. Et donc, il y a cette définition au départ de se dire ce qu'on se dit dans la salle reste dans la salle. Bien sûr. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième temps. Et puis, le troisième temps, les personnes qui sont les consultants du moment vont faire des propositions à cette personne, donc qui est plutôt
en phase là aussi d'écoute. Donc, ils vont à tour de rôle dire, bah, moi, ça me fait penser, j'aurais fait ça si j'avais été à ta place. Est-ce que tu as imaginé utiliser telle ou telle approche? Donc, c'est très, très varié. Et c'est là où la richesse, l'intelligence collective dont parlait Ophélie, est une réalité. Mathieu, vous avez entendu? Oui. Alors, Mathieu Bouzage, vous êtes chef d'entreprise, hein. Stimeca, présentez-nous un peu Stimeca. Alors moi, je connais, hein, avec, j'ai travaillé à Bellac pendant 30 ans, je connais Stimeca et votre maman d'ailleurs, je pense, qui était à la tête. Expliquez-nous un peu, c'est quoi Stimeca ? Stimeca, c'est une entreprise industrielle spécialisée dans la sous-traitance des coupes laser, pliage, mécano-soudure à destination de gros donneurs d'ordre, notamment dans l'agricole, le secteur transport, véhicules électriques, et voilà, d'autres secteurs. Très bien, une entreprise donc familiale et qui existe depuis très longtemps. Depuis très longtemps, hein. C'est important de... Les années 80 et que j'ai repris avec mon frère. Voilà, et pas facile, parce que sur un secteur rural et pour le recrutement, c'est pas simple. On est d'accord, voilà. On a le vivier qu'on a, effectivement, on est au nord-ouest de Limoges, et donc on a une situation géographique un petit peu différente. Bon, Mathieu, vous n'avez pas de RH chez vous ? C'est vous le RH ? Comment ça se fait qu'on vous retrouve là à la NDRH ? Eh bien, on me retrouve à la NDRH parce que effectivement, la fonction RH, je l'ai reprise en reprenant l'entreprise et du coup, on se retrouve avec à devoir exercer cette fonction-là et dans une PME, il y a qui grossit, qui grandit, eh bien, on a à franchir des étapes et qui nécessite d'avoir de plus en plus d'expertise et donc. Voilà, il faut assurer cette fonction-là et c'est intéressant de pouvoir en discuter avec des experts justement de la fonction. C'est pour ça que vous vous êtes rapproché de la NDRH, c'est aller chercher un réseau, aller chercher des compétences, une expertise et une capacité, une possibilité d'échange. C'est ce que vous êtes allé chercher? C'est exactement tout ce que vous venez de dire, oui. Ah, très bien. Non, j'ai bossé, hein, faut le savoir. Non, c'est pas. Par contre. Pour redevenir un peu plus sérieux, Olivier et Ophélie ont expliqué ce principe du groupe de co-développement. Vous y participez, vous êtes chef d'entreprise. Je me dis finalement, en écoutant Olivier, en vous écoutant vous, autant quand Olivier il dit, ouais, c'est pas forcément simple, hein, de se mettre un peu, on se met un peu nu, hein, on dit, en fait, le principe c'est de dire j'ai des problèmes, hein, aussi, il faut quand même, voilà. Et encore moins, je dirais, quand on est chef d'entreprise, parce que là, vous portez tout le truc sur vos épaules. Comment vous le vivez, ce groupe? Comment vous vivez ce rapport avec les autres membres? Moi, j'apprends forcément beaucoup. Plus que certainement ils en apprennent avec moi, mais c'est vrai que ces échanges sont très très intéressants. Quand je ne vais pas forcément parler de problèmes, plutôt de problématiques, c'est un petit peu différent dans l'approche. Oui. Et donc avec des choses de la vie quotidienne à gérer, et de pouvoir le partager avec 5 personnes qui ont 5 visions forcément différentes, ça nous permet d'avoir la matière grise RH pour pouvoir créer notre voie selon nos valeurs, nos principes de Stimeca, mais en ayant un maximum d'idées et d'éléments différents pour pouvoir prendre, alors peut-être pas le meilleur, mais en tout cas ce qu'on se sent plus à l'aise. Olivier, il a raison de me reprendre, Mathieu. Déjà, ce n'est pas forcément des problèmes, c'est plus des thématiques, hein, en termes de gestion, donc il a tout à fait raison, mais il faut le préciser, c'est pas simplement un groupe d'échange de problèmes, c'est plutôt un groupe de travail, hein, et d'échange autour de thématiques de travail, vous confirmez. Et par contre, je pense qu'il se trompe un peu quand il dit j'en apprends plus que eux en apprennent. Oui, non, moi je suis pas du tout d'accord vis-à-vis de ce que tu dis. Il est pas d'accord, hein. Mais non, je pense qu'il y a un point important, c'est que même si on est sur des tailles d'entreprise et des secteurs d'activité très très différents, les 6, on s'est vraiment retrouvé sur des problématiques communes. Alors je redis le mot problématique parce que ça s'est souvent traduit par ça, hein. Moi j'aime bien l'expression le caillou dans la chaussure, donc parce qu'en fait ce qu'on n'a pas dit, c'est que en début de séance, chacun propose au groupe un sujet. Il y a une forme de vote pour dire quel est celui qu'on retient pour ce jour. D'accord. Donc, à un moment donné, chacun d'entre nous
expose quelque chose qui lui tient à cœur. Alors ça peut être en effet une perspective très positive, un projet ou quelque chose de ce type, mais ça peut être aussi avec le corollaire, c'est-à-dire de se dire, il y a ce point-là qui me gêne, je suis un peu dans une impasse, j'y ai réfléchi de mon côté, j'aimerais bien que le groupe m'apporte quelque chose. Et donc si le thème est retenu pour la journée, eh bien il va être le thème du jour. Très bien. Mathieu, je vais vous libérer dans peu de temps. Je suis encore dans les clous. Je suis encore dans les clous. Je sais que vous avez quelque chose à faire ce soir. Mais moi, la question que je me pose, je vois bien à peu près comment ça peut se dérouler pendant ce rassemblement. On écoute, on parle, on échange. Est-ce qu'il y a un après? Est-ce que vous, quand vous reprenez votre voiture là-bas pour partir du côté de Bellac, vous dites, finalement, tu vois, est-ce que déjà c'est exploitable? Ce que vous avez entendu est exploitable? Et est-ce que derrière les relations que vous avez à l'ANDRH, eh bien, à un moment donné, vous avez une question, un souci, vous pouvez décrocher le téléphone pour appeler, je sais pas, moi, Olivier, Bruno, Laure, j'écouterai cette émission, je me dirai, mais quelles sont les choses pratiques? Alors, les choses pratiques, c'est que oui, l'avantage d'être situé nord-ouest de Limoges, c'est qu'on a un peu de temps pour réfléchir sur ça. Mais c'est ça, pour ça, je vous le dis, parce que je l'ai fait. Ça se traduit par des échanges. Je dirige l'entreprise avec mon frère, et donc, inévitablement, on partage, et c'est très intéressant, c'est toujours enrichissant. Pour dire, ce qu'on a vu, ce que j'ai pu comprendre, et après, comment on peut essayer de traduire l'entreprise. Donc, ça, c'est très, très intéressant. Et derrière, effectivement, suite à ce groupe de co-développement où ça permet de mieux se connaître, il y a des échanges entre nous qui se créent soit à plusieurs, soit à deux pour se partager une problématique parce qu'on a senti que telle personne avait une bonne connaissance de cette problématique. Et donc, le mot réseau n'est pas un vain mot, c'est vrai, c'est ce qui se crée et c'est intéressant pour nous. De pouvoir partager avec des experts de la fonction sur des sujets qu'ils maîtrisent et pour lesquels ils vont peut-être avoir une réponse bien plus rapide que celle qu'on aurait eue à trouver par nous-mêmes. Bon, Mathieu, je sais que vous avez une soirée qui vous attend en boîte de nuit. On n'ira pas le nom, c'est pas grave. Mais vous avez le droit d'y aller, même à partir de 7h30. C'est pas grave. C'est pas grave, Mathieu. Personne ne vous jugera ici. Mathieu, vous êtes chef d'entreprise, on le redit parce que ça s'appelle encore ANDRH, donc les mots ont un sens, on pense que c'est encore que des DRH. Qu'est-ce que vous pouvez dire à des chefs d'entreprise qui se posent la question et qui se disent finalement peut-être que j'y trouverai quelque chose? Je crois qu'aujourd'hui, l'aspect RH, l'aspect humain dans les entreprises est plus jamais remis au centre de nos organisations. On remet l'humain au centre de nos organisations, et par conséquent, qui veut dire remettre l'humain, mais remet au centre les questions de la gestion de la ressource humaine, et qu'on soit une PME, une grande entreprise, l'enjeu est le même, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas juste avec des machines et des ordinateurs, on travaille avec des personnes, et à partir de là, c'est pas juste un discours creux, c'est évident qu'on a besoin de maîtriser tous les aspects légaux, et pas que l'ego d'ailleurs de la fonction pour justement faire en sorte que les personnes avec qui on travaille se sentent bien dans nos organisations. Et pour ça, c'est le service des ressources humaines qui est toujours le plus exposé. On en a parlé pour la pandémie, et c'est vrai même après, post-pandémie. C'est un service qui a été exposé, et c'est à ce service-là qu'on demande d'apporter des réponses pour faire en sorte qu'il y ait des gens qui aient envie de venir travailler dans une entreprise, dans nos entreprises, et qui aient envie d'y rester. Mais merci, c'est super, on pouvait pas vous demander plus. Donc écoutez, la boîte de nuit vient d'ouvrir, Mathieu, vous pouvez y aller. Par contre, essayez de pas rentrer trop tard parce que demain, faut aller bosser. Merci beaucoup en tout cas. Merci Mathieu et à bientôt, j'espère. Au revoir. Voilà, on va passer à autre chose, mais c'était important de faire le point sur ce groupe de co-développement. Un petit spot pour Limoges Métropole, puis vous allez voir, on a encore un autre point à aborder. Bon.
Voilà, de retour donc avec avec mes trois invités, bien sûr, ici, j'allais dire en plateau dans mon salon. On va parler en fait des partenariats et notamment d'une opération concernant la santé et le sport. Et pour ça, je vais donner la parole. Bruno, vous voulez peut-être dire un mot. Tu veux peut-être dire un mot par rapport à ça? Si j'étais aussi très ouvert à l'idée de donner la parole, c'est bien illustré par l'exemple, c'est le mieux même. Donc, pour l'introduire, je dirais juste que la santé et la sécurité en entreprise font partie des obligations des chefs d'entreprise. Ouais. Que la notion de santé a beaucoup évolué. Auparavant, on était sur la santé et la sécurité physique, ce qui était déjà une préoccupation dans les entreprises industrielles importantes, sur laquelle on a progressé. Et puis maintenant, pour l'ensemble des salariés, on intègre aussi la santé psychique, qui est un sujet un peu nouveau de ces 10-15 dernières années, qui monte en puissance très très fort. Et également, pour les fonctions plutôt de type tertiaire, la notion de lutte contre la sédentarité pour faire en sorte que nos salariés ils se sentent mieux en général, donc qu'ils vivent mieux au quotidien, chez eux et dans leur travail. Voilà, quelle belle introduction, n'est-ce pas Richard et Sylvie? Hop, on remet le micro. Voilà, ça y est, nous revoilà. Comment ça va Richard et Sylvie? Ce que vous avez entendu jusqu'à présent, ça vous intéresse ou pas du tout? Ils n'ont pas été bons? Non, ils ont été excellents. Ah, et voilà. Ouais, c'est excellent, et puis Bruno fait toujours les bonnes liaisons. Et voilà. Moi, j'ai toujours dit, Bruno a trop de talent. Et pour moi, il en a un peu trop. Il faudra un peu en laisser aux autres, mais il a trop de talent. Richard, pardon? Ça va pas être facile de passer derrière. Ah, mais bien sûr, on peut être que moyen. Je vous le dis, on peut être que moyen. Bon, mais moi, j'ai l'habitude depuis le temps. Mais bon, c'est pas grave. Allez, Sylvie, Richard. Richard, est-ce que vous pouvez vous représenter, s'il vous plaît, parce que je pense que je l'ai mal fait au début, nous dire un petit peu qui vous êtes. Oui, alors, Richard Labat, je suis professeur de sport, mais je ne suis pas professeur de PS. Il y a une petite différence. Je travaille pour le ministère des Sports, et je travaille à la délégation régionale académique. Je l'ai, c'est engagement et au sport. C'est des services déconcentrés du ministère des Sports, à l'échelle de la région. Il y a aussi des sur la région départementale, mais moi je suis sur la région. Je suis référent sur la politique du sport santé. D'accord. Alors, si vous êtes là, tous les deux, c'est pour nous parler d'une opération spéciale, mais je vais vous laisser commencer. Une opération, donc vous Sylvie, vous êtes membre de l'NDRH Limousin, vous êtes aux côtés de Richard. Quelle est cette opération et quel est le lien un petit peu entre les deux? Alors, pour faire le lien, ce que disaient Mathieu Bouzage et Bruno de Matisse, c'était d'exprimer pleinement le fait que la performance d'une entreprise, elle ne peut pas se faire sans la performance sociale de cette entreprise. Donc, et la performance sociale de cette entreprise, elle va passer aussi par tous les types de prévention qu'on va pouvoir mettre en place dans les entreprises. Prévention de la santé, là, ça, c'est la thématique que nous avons évoquée avec Richard Labarthe, en instituant dans nos entreprises, en proposant à nos adhérents des solutions qui permettent d'engager les salariés sur une meilleure hygiène de vie, va-t-on dire, qui passe par le sport en particulier. Donc, je vais laisser la parole à Richard pour vous expliquer l'opération que nous menons. C'est surtout eux qui ont fait appel à nous en tant que partenaires pour développer. Voilà, ça s'est passé plutôt ensemble. D'accord. Bon, vous le faites ensemble, c'est déjà pas mal. Voilà, on s'engage ensemble du coup sur cette thématique, mais c'est eux qui nous ont dit. ANDRH, vous avez un réseau qui peut être intéressé par les actions que le ministère des Sports est en train de mener. Donc, venez avec nous, on en discute et on essaie de développer des actions ensemble. D'accord. Alors, vous ne le voyez pas, Richard et Sylvie, mais à l'écran, vous avez le visuel. Hein. Il y a le visuel de sport en entreprise. Alors, Richard, racontez-moi. Alors, Comment commencer? Effectivement, j'ai entendu M. Baptiste qui parlait tout à l'heure, effectivement, de la santé physique et psychique. Effectivement, aujourd'hui, la santé, ce n'est pas que quelque chose de physique, c'est aussi quelque chose de psychique. Et puis, le fléau de la sédentarité, qui est un
vrai fléau médical aujourd'hui. On sait que si on ne fait rien, en tout cas, pour remettre les gens à l'activité physique, c'est par millions qu'on va déplorer des maladies insidieuses qui arriveront dans les années à venir. Donc, effectivement, l'État, et pas que lui, hein, d'autres acteurs se sont emparés de ce sujet. Et aujourd'hui, la stratégie nationale sport santé bien-être, qui est portée par le ministère des Sports, avec son émanation régionale, a fait de l'activité physique en entreprise un des vecteurs, en tout cas, pour remettre les gens à l'activité. C'est pas le seul. Ça fait partie de l'axe 1 de la stratégie régionale, qui est la promotion de l'activité physique et la lutte contre le sédentarisme. Et donc, on s'est emparé de ce sujet-là, et on parlait aussi d'alternance tout à l'heure. On a eu l'opportunité de recruter un alternant qui est étudiant au STAPS de Limoges. Donc, le STAPS, c'est les sciences techniques des activités physiques et sportives. Il est en master STAPS et il est chargé de mission sur le sport en entreprise. Et effectivement, on a créé un comité de pilotage en Vienne avec le comité départemental olympique et sportif qui représente l'ensemble du mouvement associatif sportif en Haute-Vienne. On a créé ça à deux, avec la Draget, c'est le DOS, on appelle ça, et on a invité des partenaires, dont la NDRH, pour qu'ils fassent écho en tout cas aux actions qu'on voulait mener, le projet d'accompagnement en tout cas qu'on propose aux entreprises qui auraient des projets d'activité physique en leur sein, avec la présence d'un chargé de mission qui va être là pour 2 ans de nous accompagner. Bien entendu, on va pas laisser seul dans la nature, on va l'accompagner avec la Draget, le DOS et l'ensemble des partenaires du comité de pilotage, qu'on pourrait citer, hein, mais c'est pas forcément l'objet aujourd'hui, en tout cas. Il y en aura vraisemblablement d'autres, puisque notre intérêt, c'est d'ouvrir ce comité de pilotage. Et une des actions, on a plusieurs projets d'action, et la première action qu'on souhaite mener, effectivement, c'est ce colloque de demain soir, dont vous avez partagé l'invitation. C'est vrai que c'est demain soir, c'est presque un petit peu tard pour l'annoncer, mais... C'est déjà pas mal. Il va y avoir demain des millions de demandes d'inscription, là je vous le dis, c'est... Bien sûr, bien sûr. Et donc, dans ce colloque, il y a une intervention, effectivement, sur le médecin conseiller de la Barges, qui va parler des bienfaits de l'activité physique pour le salarié, mais également de l'intérêt pour l'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, il y a des études qui ont montré qu'il y avait un vrai gain de productivité pour les entreprises qui mettaient l'activité physique en place. Il y avait aussi de l'intérêt pour le salarié lui-même, et effectivement, avec une baisse de l'absentéisme, une diminution du turnover, etc., etc. Donc, tout ça, c'est des éléments très factuels qui vont leur être présentés. Il va y avoir aussi des réponses qui vont être apportées d'un point de vue juridique et financier par Jean-Pierre Mario du GDOS, qui est un ancien inspecteur du travail. Ah oui. Un petit peu aux questions que pourraient se poser les directions d'entreprise, en tout cas, qui auraient des projets. Et puis, l'intervention de l'URSSAF sur l'accompagnement et l'avant de l'URSSAF et sur les incitations de baisse de charges, en tout cas de cotisations, pour les entreprises qui auraient aussi des projets d'activité physique. Alors, on va essayer de répondre à leurs questions, leur apporter des éléments très factuels sur le projet qu'on met en place et surtout sur le dispositif d'accompagnement qui sera gratuit, en plus, en cas d'hiver, puisque c'est Vincent et Charles de mission, et il accompagnera les entreprises dans leur projet d'activité physique, quel que soit le projet qu'il va avoir, et après, effectivement, de leur trouver des prestataires qui auront place pour leur permettre de mettre en œuvre, effectivement, tout leur projet. Voilà. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a 16% des salariés qui font de l'activité physique dans l'entreprise, alors que on a près de 87% des gens qui voudraient en faire. Eh oui. Mais des entreprises qui ne trouvent pas les réponses à leurs questions, qui ne trouvent pas les gens pour les accompagner. Alors voilà, ce qu'on leur propose de faire, c'est de faire écho à des choses qui ont déjà été mises en place par la IST notamment et le BDF, des colloques. C'est de leur dire maintenant, on vous propose de passer à la phase opérationnelle. C'est possible. Juste, je vais être obligé de vous couper un peu, hein, mais voilà. Juste nous rappeler, c'est demain soir. Oui. À quelle heure? À 18h30 à l'université, la faculté des sciences et techniques dans l'amphi Blanchot. C'est marqué normalement sur l'invitation. D'accord. 18h30, l'accueil. D'accord. Le numéro de téléphone aussi sur l'invitation du chargé de mission, donc s'il y a un problème, ils peuvent l'appeler. D'accord. Bon, voilà. Très bien. Et sinon, on contacte. Bon, sinon, les gens, ils peuvent me contacter. Moi, j'ai le visuel et tout. Bon, c'est une belle opération, ça, Sylvie. Oui, c'est très bien. C'était l'occasion d'illustrer les partenariats que la NDRH mène avec un
un certain nombre d'organismes justement pour apporter des solutions à nos membres, parce que c'est des questions qui se posent dans toutes les entreprises. Et donc, du coup, voilà, on voulait vous proposer cette illustration. C'est très bien. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, je vais vous libérer. Je vais vous libérer. Je vais passer la parole à Bruno. Vite fait, là, je vois qu'il vient de se jeter sur le micro. Il a failli tomber. Enfin, non, c'est pas vrai. Mais bon, je passe juste le micro à Bruno. Attendez, tac, on se met comme ça. Voilà, Bruno. Alors, dans le registre des partenariats ponctuels, tu l'as évoqué tout à l'heure en tout début d'émission, Bruno, il y a une belle école, une grande école concernant les ressources humaines ici à Limoges, donc qui s'appelle l'ISFOGEP. L'ISFOGEP. Et l'ISFOGEP organise chaque année un colloque depuis 20 ans. Oui. Ce colloque aura lieu le 21 avril matin à la Chambre de commerce et d'industrie. Donc, pour tous ceux qui peuvent être intéressés, réservez vos dates. Et cette année, ça sera sur l'intergénérationnel. Comment on fait en sorte que les différentes générations travaillent ensemble dans l'entreprise ? C'est pas facile. Je vous le dis, c'est pas facile. Moi, j'étais le plus jeune au début de ma carrière. Aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est pas facile. Allez, on passe un petit spot et puis on continue rapidement parce qu'on est presque au bout. Moi, je vois pas le temps passer. Olivier, plein écran, Olivier, là, il est... On ne peut pas mieux le voir. Hein. Alors, je prends le micro. Ouais. Avant, je salue Evelyne qui nous a rejoint, Evelyne Marchex. Bonsoir Evelyne, c'est gentil. Donc, il rebondit sur le sujet de la santé, du sport. Elle dit sur ce sujet, n'hésitez pas à consulter la société Devenir qui œuvre pour la santé et le bien-être en entreprise, notamment à la polyclinique de Limoges. Voilà, c'est une info, comme d'autres infos. Il y a heureusement plein d'actions qui se passent sur le territoire et le mieux, ben, c'est que vous saisissiez de celle qui vous correspond le mieux. Olivier, avec vous, on va parler recrutement un petit peu. Ah, si vous voulez. Un petit peu. Alors, moi, c'est un sujet que j'aime beaucoup parce que je ne l'ai pas encore dit ce soir, mais j'ai un site de recrutement, oui. Vous comprenez ? J'ai un site de recrutement et il n'y a pas beaucoup d'offres dessus, mais j'ai toujours des employeurs qui se plaignent de ne pas recruter. Oui, ça, c'est le mystère de l'être humain, mais bon, ce n'est pas grave. Aujourd'hui, concrètement, quand vous vous réunissez à la NDRH et que vous parlez recrutement, est-ce que oui ou non, vous avez du mal à recruter aujourd'hui ? Est-ce que les entreprises, est-ce que les DRH sont en difficulté aujourd'hui par rapport à ces process de recrutement ou pas ? Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. On pourrait y passer toute une émission. Alors, c'est vrai que c'est une position qui est assez unanime et quels que soient les secteurs d'activité. Alors, on a tous entendu dans les médias un certain nombre de métiers qui sont en difficulté pour qui trouver. Qui sont souvent les mêmes, hein, ceci dit. Oui, tout à fait. Même avant, la restauration avait du mal. Oui, mais je pense que ça s'est quand même vraiment amplifié. Ouais. Et en fait, le phénomène est aussi existant dans tout un tas d'autres entreprises, parfois des entreprises industrielles. Aujourd'hui, c'est compliqué de trouver des jeunes qui vont, par exemple, être motivés pour travailler dans des horaires décalés, pour travailler dans des contextes un peu particuliers. Donc ça nécessite de la part des entreprises, et c'est ce qu'on se dit tous, de redoubler d'efforts en termes d'attractivité. Alors le terme est lancé, après il faut y mettre des choses très concrètes derrière. Et donc on parlait notamment des jeunes, il faut très tôt, me semble-t-il, les intéresser sur les métiers, ce qu'ils comportent. Alors c'est là où toute la politique qu'une entreprise peut opérer avec les stages très tôt. On parlait des stages de troisième à un moment donné, c'est aussi un moyen pour des jeunes de découvrir des métiers. Et puis après, concrètement, quand ils se rapprochent de la préoccupation de l'emploi, c'est d'avoir préparé des choses, les stages qui sont dans les années supérieures. Et puis à des moments, l'alternance, on en a parlé tout à l'heure, hein, l'apprentissage. Et puis offrir aussi des opportunités dans les entreprises. Alors, juste comme ça, hein, je pose la question à tout le monde. Hein, à tout le monde. Hop, je vais mettre ça comme ça. Voilà, c'est plus simple. C'est vrai qu'il y a du mal à recruter en ce moment. Alors, mais ça, c'est une généralité. Il y a peut-être des secteurs où il y a un peu moins de mal et d'autres où il y a un peu plus de mal. Moi, ce que je remarque quand je regarde les offres d'emploi qui sont postées sur mon site, par exemple, c'est qu'on ne recrute pas simplement des gens qui veulent travailler. On recrute des gens
qui sont qualifiés, on recrute des gens qui sont opérationnels. Je vois très peu d'offres, moi, disant « je recrute quelqu'un qui cherche du travail ». Donc, dans une période où il y a presque le plein emploi, il reste de fait les gens qui ont le plus de difficultés à accéder à l'emploi. Et ces gens-là, on peut leur mettre autant d'offres qu'on veut qualifier, ils ne pourront pas aller dessus. Donc effectivement, j'imagine qu'il doit y avoir des stratégies au niveau des entreprises, peut-être pour faire rentrer les gens et les former, une fois rentrés, enfin, voilà. Mine de rien, le plein emploi presque peut presque pénaliser le process de recrutement. Oui, et puis il y a des filières de métiers où l'éducation nationale n'amène pas des gens formés directement sur les métiers. Mmh. Et c'est là où les entreprises doivent aussi jouer leur rôle. C'est-à-dire qu'on peut très bien travailler avec des organismes de formation, monter des modules sur mesure, monter des certifications. Il y a des choses très bien qui se font sur Limoges avec des partenaires qu'on connaît tous. Et donc, on peut très bien monter des promotions inter-entreprises. Ouais. Dès lors que les entreprises ont à peu près les mêmes préoccupations, je vais donner un exemple, le monde de la maintenance, par exemple, des systèmes automatisés. Bon nombre d'entreprises industrielles ont cette préoccupation. S'ils mettent leurs besoins en commun, on peut très bien s'orienter vers une formation d'une année, par exemple, ou de 2 ans, et de mettre à disposition de ces entreprises des gens, pour le coup, formés. Voilà, des pistes de travail. Je passe un dernier spot et je vais rebondir sur l'histoire de la formation. Hein. En 5 minutes, on va parler de la formation, parce qu'il est déjà presque 22 heures. Enfin bon. Bruno, la formation, je voulais qu'on en parle un peu, pas que avec toi d'ailleurs, hein, Bruno, Laure. Qui elle se dit c'est bon, c'est fini, je pose le micro et pan, elle entend son nom, elle se dit mince, il ne m'a pas oublié. Bruno, la formation, en quelques mots, là aussi il y a de quoi faire largement une émission. Un énorme enjeu pour les entreprises, je dirais, à la fois pour intégrer du personnel et à la fois pour permettre au personnel de développer ses compétences et de progresser dans l'entreprise, parce que ça aussi c'est un facteur d'attractivité. Oui, tout à fait. Je rajouterais de s'adapter parce que aussi, il y a un rythme des évolutions qui est très fort dans un très grand nombre de secteurs d'activité. Et donc, les salariés doivent aussi parfois changer de métier en cours de carrière et d'une façon générale s'adapter. Donc, le monde de la formation, comme beaucoup d'autres, est en pleine mutation également. Et une des grandes mutations de ces dernières années, ça a été d'intégrer beaucoup plus de formation à distance, de formation donc digitalisée, avec l'accès à une offre sur des plateformes. Alors ça ne concerne pas tous les salariés, mais de plus en plus. Et c'est un incontournable, notamment pour les jeunes générations, qui sont habituées à aller chercher l'information sous cette forme-là. Donc la formation évolue de plus en plus maintenant vers le présentiel traditionnel que nous connaissions depuis des décennies et également de l'accès à des modules à disposition qui peuvent très bien s'articuler entre eux pour faire un ensemble qui mêle à la fois de la prise de connaissances sur les modules et puis parfois plus un travail sur les comportements qui, lui, doit se faire en présentiel, pour l'essentiel. Allez, on va terminer avec Laure. Je savais, vous vouliez commencer. On a commencé avec Laure, on va terminer avec Laure. Parce que je vois, elle a posé le micro, elle s'est dit c'est bon, je reprends mon sac et je repars chez moi. Laure, la question la plus difficile de la soirée. Oui. Oh là là, je me prépare. Vous êtes. La NDRH, c'est aussi un socle un peu là, hein, où vous discutez ensemble, on voit bien les choses remontent, on essaie de réfléchir, on travaille avec. On recherche un peu les expertises. Il y a des enjeux qui se présentent tous les jours hein, face au DRH que vous êtes ou que vous avez été ou quoi. Aujourd'hui, c'est quoi en termes de priorité, je dirais, pour vous hein. Après, ça peut changer, mais voilà, quand vous discutez ensemble, c'est quoi les principaux enjeux? Et je ne parle pas de la retraite, là. Qu'est-ce que les hommes, les femmes et les hommes que vous accompagnez aujourd'hui, de quoi vont-ils avoir besoin demain
pour être accompagné justement dans cette évolution, j'ai l'impression qu'il va à vitesse grand V des entreprises. Il n'y a pas forcément de bonnes réponses. Il y a un ressenti, il y a des discussions que vous pouvez avoir. Je vais poser la question aux trois d'ailleurs. Oui. Donc dans le micro, on finira par l'avoir quand même près de la bouche à un moment donné. Ça ira. Ça, je vous jure que la semaine prochaine, parce que vous allez revenir en tant que chroniqueuse, ah oui. Vous saurez vous servir du micro. Très bien. Les hommes et les femmes dans les entreprises, ils ont besoin d'un accompagnement, ça c'est sûr, à l'heure actuelle. Un accompagnement, c'est ce qui était dit jusqu'à présent sur les compétences, hein, sur ce qu'on disait avec la formation. Ils ont besoin d'être accompagnés. Ils ont besoin de voir du sens aussi dans leur travail, qu'on leur montre aussi quel est le sens de leur travail, qu'on les aide à voir quel est le sens de leur travail, qu'on les écoute, qu'on tienne compte de leurs préoccupations. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, il y a des incontournables lorsqu'on recrute des personnes qui sont la conciliation vie personnelle, vie professionnelle. Est-ce que je pourrais bénéficier de télétravail? Est-ce qu'il y a une certaine liberté dans mon travail? Est-ce que je suis suffisamment rémunérée? D'autres considérations qui rentrent en ligne de compte aujourd'hui. Voilà, les prendre en compte, pouvoir y apporter des réponses ou tout au moins les accompagner pour que. Il faut être au plus près. On est vraiment dans l'accompagnement. Voilà, on est dans l'accompagnement. Allez, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez passer le micro à Olivier, puis je vous le redonnerai pas. Olivier, vous. Alors moi, je pense qu'un des enjeux majeurs, c'est l'engagement. C'est-à-dire que les salariés, à une certaine époque, la préoccupation, c'était l'emploi, CDI notamment. Aujourd'hui, je pense que pour les employeurs, c'est aussi et avant tout l'engagement. Et alors, ça rejoint ce que disait Laure juste avant, c'est-à-dire être capable de donner du sens, de donner de l'envie. On a eu d'ailleurs une intervention dans une des plénières là sur... les notions de, alors en anglais, excusez-moi, le quiet quitting, mais la démission, comment on dit en français? Silencieuse. Silencieuse, voilà. La démission silencieuse. Donc, il y a vraiment une préoccupation autour de l'engagement. Voilà, pour moi, ça serait ça. Bruno? Eh bien, je dirais que nous sommes dans une phase de mutation plutôt accélérée hein, par rapport à tout ce que nous avions connu. Alors, c'est pas complètement nouveau, mais avec la pandémie, la guerre en Europe... Et tout un tas d'autres évolutions, ça entraîne un niveau d'exigence plus élevé des salariés en général, de chacun d'entre eux, une demande aussi de personnalisation, c'est ce qu'expliquait Laure à l'instant, et tout ça est très exigeant aussi pour les managers, les chefs d'entreprise, les responsables ressources humaines. Et donc ce que nous voulons proposer à la NDRH, c'est d'accompagner ceux qui sont là pour supporter les autres, qui parfois... trouvent le sac un peu lourd, qui parfois peuvent se sentir aussi un peu seuls. Donc nous leur offrons cette possibilité d'échanger entre nous. Ce que nous avons voulu montrer aussi dans cette émission, c'est des exemples justement d'échanges de connaissances, ça c'est plutôt les réunions plénières, mais également d'accompagnement pour le développement personnel et professionnel des membres de la fonction ressources humaines et de ceux qui l'exercent, même s'ils n'en sont pas membres. Nous sommes dans une belle région, une région qui n'a pas une très forte densité économique pour ce qui concerne notre ex-région Limousin. Et donc, il est important que nous sachions rapprocher toutes les parties pour leur permettre de travailler ensemble, que nous sachions travailler au sein de la NDRH, mais aussi la NDRH avec les autres et les autres, les uns avec les autres, pour faire en sorte de créer des synergies et d'avancer bien tous ensemble pour les salariés des entreprises. Voilà, tout est dit. Il fallait forcément terminer par Bruno, qu'est-ce que vous voulez. Bien sûr, c'est quel meilleur ambassadeur. Allez, on se rapproche de la fin. Je vous remercie, Laure. Merci beaucoup pour votre intervention. Merci beaucoup, Olivier. Merci beaucoup, Bruno. Merci beaucoup, Richard et Sylvie. Et Mathieu est déjà en train de danser, hein, il faut le savoir. Bon, voilà, il faut qu'il se couche de bonne heure. Il part tôt en boîte de nuit. Merci beaucoup. La semaine prochaine... on va parler alternance, on va parler apprentissage avec le CFA du Moulin Rabot. Voilà, en attendant, écoutez, je vous libère, vous pouvez aller manger. Et merci à toutes celles et tous ceux qui ont regardé cette émission. Allez, ciao, ciao, au revoir.